après toi. Si toi, tu ne rentres pas dans le Rehoboth, ce sont tes enfants qui vont rentrer dans le Rehoboth si tu fais une alliance avec Dieu. Oui. Il y en a qui nous appellent. Prophétesse, j'avais fait un songe, on voulait m'attaquer et tu es venu me sauver. Ou encore le pasteur est venu. Le temps a changé, mais laissez-moi te dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, sa parole ne change pas, sa parole ne faillit jamais. Parce que l'homme qui est parti avec la femme a laissé sa semence. Et quand ils prennent ta femme, ils prennent ta vigueur au travers de ta femme, voyez ça? Donc le diable va passer par là pour t'enlever ta vigueur. Et il y avait même un moment, si on veut faire tomber un homme politique, on ne va pas aller chez lui, on va seulement chez la femme. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, famille TPS, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse ce midi. Que le Seigneur vous visite encore. Que le Seigneur vous fasse du bien encore. Soyez bénis. Alléluia. Nous sommes dans notre deuxième session de la journée. Et nous sommes mercredi aujourd'hui, il est midi, alors c'est la prière pour la nation. La prière pour la nation, en même temps aussi, la prière pour la famille. De temps en temps, nous glissons des sujets sur la famille. Alléluia, car ce qui fait la nation, c'est la famille. C'est la famille qui fait la nation. Ce sont les familles qui font la nation. Donc, quand on prie pour la nation, en réalité, on prie aussi pour les familles. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, nous disons bonjour au Saint-Esprit. Nous partageons la vidéo. Nous aimons la vidéo. Dites aux autres que nous sommes déjà là, qu'ils puissent nous rejoindre maintenant et nous allons commencer déjà. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Attendez-vous à un toucher de Dieu. Attendez-vous à ce que le Seigneur puisse vous toucher. Attendez-vous à ce que le Seigneur puisse étendre encore sa main sur vous, sa main de bénédiction. Attendez-vous encore à un vent du Saint-Esprit. Alléluia. Et cela vous sera fait ainsi. Si vous vous attendez à un toucher de Dieu, alors Dieu va vous toucher. Si vous vous attendez à une guérison, alors Dieu va vous guérir. Si vous vous attendez à une restauration ce midi, alors Dieu va vous restaurer. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur et nous commençons. Père éternel, merci encore pour cette deuxième session. Merci pour la force, merci pour la capacité. Merci Père éternel pour la joie de ton salut. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous connecter dans ta présence, de rentrer dans ta présence. Même si le corps est fatigué, même si dans la chair nous sommes faibles, mais dans l'esprit nous tressaillons de joie parce que nous nous connectons à toi. Seigneur, nous te prions encore de prendre le contrôle de cette prière, de prendre le contrôle de cette session et que le Saint-Esprit soit encore déversé sans mesure sur chacun de tes enfants, Seigneur, sur chacun de nous. Que le Saint-Esprit soit déversé sans mesure sur chaque personne, sur chaque maison et sur les nations. Nous te prions, Seigneur, prends le contrôle et que cette session soit sécurisée par ton sang précieux dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur?
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et je prie que le Seigneur vraiment fortifie ceux qui sont au travail, ceux qui travaillent, alléluia. Vraiment vous fournissez encore un double effort parce que vous devez travailler, vous devez jeûner, vous devez prier, que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je dis encore que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur déverse sur vous tous qui êtes connectés ici une force. Recevez la force du buffle dans le nom de Jésus. Recevez la hauteur de l'aigle, que vous puissiez monter sur les hauteurs. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous donne une force, la force du lion, qu'il vous donne la vitesse du léopard, dans le nom puissant de Jésus, et que votre vie soit propulsée à une dimension extraordinairement bénie dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, nous prions pour la nation. Écris avec moi le Saint-Esprit sur la nation. Le Saint-Esprit sur la nation. Le Saint-Esprit sur la nation. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit sur la nation. Nous avons compris qu'il est important de prier pour la nation. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que si nous voulons bénéficier des bénédictions que Dieu a prévues pour nous sur la nation, nous devons aussi prendre le soin de prier pour la nation. Si nous voulons que la terre sur laquelle nous sommes positionnés nous bénisse, si nous voulons que la terre sur laquelle nous sommes positionnés nous soit favorable, si nous voulons que le ciel sous lequel nous sommes positionnés soit ouvert pour nous, alors nous devons apprendre à prier, nous devons apprendre à prier pour la nation. Nous devons apprendre à arroser cette terre sur laquelle nous sommes positionnés par des prières, par des bénédictions. Nous devons apprendre à appeler le règne de Dieu à remplir notre environnement, à envahir notre pays, à envahir notre nation. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 14 au verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Une nation qui est remplie de prières, une nation qui est dédiée constamment à Dieu, une nation qui est remplie de justice, bien-aimé, est une nation qui va s'élever, est une nation qui va évoluer, est une nation qui sera bénie. Mais une nation qui est remplie de péché, la Bible déclare, c'est la honte des peuples. Les habitants de cette nation auront honte. Les habitants de cette contrée auront honte. Les habitants, ils auront honte. Un quartier qui est un quartier agité, un quartier rempli par des œuvres des ténèbres, un quartier contrôlé par les œuvres des ténèbres, un quartier, si c'est un quartier où il y a beaucoup de trafic, vous allez voir, même ceux qui habitent ce quartier vont vous dire, oh, ici c'est comme ça. Eux-mêmes, ils auront honte de leur quartier. Le péché est la honte des peuples. Eux-mêmes, même si t'invites, ils vont te dire, viens, mais attention, garde-toi de l'autre côté parce que dans mon quartier là-bas, une telle voiture, ils vont la casser. Mon quartier, c'est un quartier chaud. Ça, c'est pas une fierté de dire c'est un quartier chaud. C'est parce que c'est une honte. C'est un quartier chaud. Ma ville, notre ville est une ville chaude. Alors, donc, ici, dans cette contrée, ici, les gens sont assez sauvages. C'est compliqué. Ici, il y a toujours des rixes, il y a toujours des bagarres, il y a toujours... Ici, ce quartier, c'est un quartier où il y a beaucoup de dealers. Vous voyez, ceux qui habitent là ont honte de leur propre quartier. Pourquoi? À cause du péché. La justice élève une nation. C'est pour cela, bien-aimé, tu as une responsabilité, c'est de prier pour ta nation, c'est de prier pour ton quartier, c'est de prier pour ta ville, c'est de prier pour l'environnement dans lequel Dieu t'a positionné. C'est d'appeler le règne de Dieu, que le règne de Dieu vienne et que la justice de Dieu puisse s'établir là où tu te trouves. Il faut prier. Alléluia, il faut prier. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Là où il y a le péché, le peuple a honte. Là où il y a le péché, même les habitants qui ne prient pas ont honte. Là où il y a le péché, les habitants sont mal à l'aise. Là où il y a le péché, les habitants ne sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. C'est la honte des peuples. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir l'importance, encore une fois l'importance de prier pour la nation. Alléluia. Nous allons voir
l'importance de pourquoi prier pour la nation. Pourquoi il est important de demander à ce que Dieu bénisse la nation, à ce que la justice de Dieu vienne sur la nation, à ce que la gloire de Dieu vienne sur la nation. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 18, nous allons aller jusqu'au verset 33. Gloire à Dieu. La Bible déclare ceci. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Voyez ça. Je répète encore, je relis le verset 26. Et l'Éternel, bon, désolé, c'est assez petit hein, à l'écran, je vois. Sinon, ouvrez votre Bible, ouvrez tout simplement votre Bible. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Verset 28. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes ? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Verset 31. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses vins. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que 7 fois. Que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses 10 justes. Verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. Nous avons compris que c'est Abraham qui est en train de parler à Dieu. Abraham, quand il a su que Dieu allait détruire Sodome et Gomorre, Abraham avait commencé à négocier. Il a commencé une intercession. L'intercession pour la nation. Waouh, quel cœur! L'intercession pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorre. Abraham s'est dit, mais Éternel, il y a des justes aussi dans cette ville. Abraham se disait, il y a des justes, en ayant déjà à l'esprit son neveu Lot et sa famille. Donc, il se dit, il y a des justes dans cette ville. Détruiras-tu aussi le juste avec le méchant? Détruiras-tu aussi le juste avec le méchant? Lisez bien, il est écrit au verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Abraham a commencé à intercéder pour les justes qui sont dans la ville. Abraham a commencé à intercéder. Je vous donne ici un secret de comment on intercède pour la nation, de comment on intercède pour une ville. Quand tu intercèdes pour ta ville, quand tu intercèdes pour ta nation, commence à mettre en avant les justes de cette nation, les justes de cette ville. Commence à mettre et dis à Dieu, est-ce que tu peux aussi détruire les justes? Mais si tu détruis, si tu détruis, si tu abats ton jugement ici maintenant, en France, mais tous les chrétiens vont mourir.
Tu vas aussi les tuer avec, tu vas aussi détruire et tes propres enfants. Tu vas détruire les croyants qui sont dans en France. Vas-tu détruire aussi les croyants qui sont au Liban? Vas-tu détruire aussi les croyants qui te servent en esprit, en vérité, qui habitent à Libreville? Voyez ça. Présentez à Dieu les justes. Présentez à Dieu ceux qui le craignent. Présentez à Dieu. Abraham avait compris. Abraham s'est dit, bon, je prends mon courage à deux bras, je vais commencer à dealer avec Dieu. Donc, Abraham a eu le courage de faire un deal avec Dieu. Waouh! Il a commencé à négocier. Il est rentré en négociation. Peut-être il a commencé par 50 justes. Alors que la ville de Sodome, alléluia, la ville de Sodome était remplie d'abominations. Quand on entend le mot Sodome, c'est de cette ville qu'est venu le mot sodomie. Le mot sodomie vient du mot Sodome. C'est une ville qui était remplie d'abominations d'homosexualité, où les hommes sortaient avec des hommes, où on pratiquait la sodomie. C'est pour cela qu'on parle du mot sodomie, parce que ça vient du mot Sodome. Voyez, Sodome. C'était une ville qui était remplie d'abominations. Et Abraham ne s'est pas dit, bon, Seigneur, tu vas détruire, alors détruis. Non, il s'est dit, non. Éternel, tu veux détruire, mais peut-être, il a pensé aux justes qui sont dans cette nation. Il a pensé aux justes, peut-être qu'il y aurait des justes. Lui, il n'habitait pas là-bas. Abraham était limité dans sa vision, mais dans sa limitation d'homme, il a commencé à intercéder pour les justes. Je pose une question à quelqu'un. Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour les justes qui sont en Irak? Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour les croyants qui sont en Arabie Saoudite? Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour les croyants qui sont au Pakistan? Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour eux? Alléluia. Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour tous ces croyants qui vivent des temps difficiles, des moments difficiles, atroces, dans des milieux où la Bible même est interdite? Est-ce que tu les présentes à Dieu? Est-ce qu'on les présente à Dieu? Abraham a commencé à négocier. Il a commencé par 50. Il a dit, bon, Père, Éternel, si tu trouves 50, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas. Imaginez, 50 justes auraient pu sauver Sodome et Gomorrhe. 50 justes auraient pu sauver Sodome. 50 justes seulement. Il y avait peut-être des millions d'habitants. Il y avait peut-être, je ne sais pas à l'époque, peut-être 100 000 habitants. Mais 50 justes seulement, 50. Dieu a dit, si je trouve 50 justes, à cause d'eux, je ne vais pas détruire. À cause d'eux, je ne vais pas détruire. Waouh! C'est pour cela que j'encourage quelqu'un à marcher dans la justice. Si tu marches dans la justice, à cause de toi, Dieu ne détruira pas ta ville. À cause de toi, même s'il y a le terrorisme, les terroristes ont décidé de mettre une bombe dans ta ville, mais à cause de toi, la bombe là ne va pas exploser. À cause de toi, Dieu ne permettra pas qu'on vienne détruire, que l'ennemi puisse passer par là et que toi aussi tu puisses périr dedans. Non. Alléluia. Dieu dit, si je trouve 50 justes au milieu de la ville, si je trouve 50 justes au milieu de la ville, donc dans cette ville, à l'intérieur de cette ville, je ne détruirai pas Sodome, même si elle a sodomie. Oh oh. Est-ce qu'on comprend ça? Abraham dit, bon, cette ville est tellement remplie d'abominations, je veux quand même baisser un peu. Abraham dit, bon, j'enlève 5. Au verset 24, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes au milieu d'elle? Voilà, excusez-moi, je passe vite pour que nous puissions gagner du temps. Le verset 25 dit, faire mourir le juste et le méchant en sorte qu'il en soit du juste, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Dieu n'a pas pour habitude de détruire et le juste et le méchant au même moment. Abraham a reconnu que Dieu ne peut pas faire ça. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Donc au verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Waouh! Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et le verset 27, voilà, c'est ce que je cherchais. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Abraham dit, je vais encore baisser un peu. Il dit, peut-être que le verset 28, peut-être que les 50 justes, peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5. Bon, pour 5
Détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, Dieu lui-même, il a compté maintenant. Je ne la détruirai point si je trouve 45. Abraham enlevait 5. Dieu dit, si je trouve 45 justes, je ne détruirai pas. Si j'y trouve 45 justes, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Excusez-moi, verset 29. Oh, je ne vois pas bien tellement c'est petit. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40. Donc, Abraham a quitté 50. Dieu a dit, je ne détruirai pas. Il est passé à 45. Dieu a dit, je ne détruirai pas. Abraham est descendu à 40. Dieu dit, si je trouve 40 justes, je ne détruirai pas. Si je trouve 40 justes, je ne détruirai pas. Tant que j'en trouve 40, je ne veux pas détruire cette ville. Abraham ne s'est pas arrêté là. Au verset 30, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être y trouvera-t-il 30 justes. Il a enlevé 10 encore. Il dit, s'il y a 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30. Bien-aimé, on est passé de 50 à 30. Dieu dit, s'il y a 30 justes dans Sodome, je ne vais pas détruire. Cette ville où il y a la sodomie, cette ville où il y a des abominations, si je trouve seulement 30 justes, 30 personnes qui marchent dans la justice, je ne détruirai pas ce pays, et ce pays ou cette nation. Est-ce que vous voyez l'importance des justes dans une nation? Est-ce que vous voyez l'importance des justes? Et si vous lisez encore, vous allez voir que Abraham est allé jusqu'à 20 justes. Jusqu'à 20 justes, au verset 31. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Il a encore négocié, il a encore baissé. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Waouh! Vous voyez comment une nation est bénie grâce aux enfants de Dieu. Vous voyez comment une nation peut être gardée, préservée, pardonnée à cause des justes qui sont dans la nation. Vous voyez comment il est important de prier pour que la justice de Dieu puisse envahir la nation, pour que les justes soient de plus en plus nombreux. Alléluia! Pour qu'il y ait beaucoup de justes. Toute l'importance d'appeler le vent du Saint-Esprit sur la nation. Plus il y aura des enfants de Dieu, plus il y aura des croyants, plus Dieu n'exercera pas toujours son jugement sur la nation parce qu'il a ses enfants dans cette nation. Plus Dieu ne va pas exercer des jugements durs sur la nation. Pourquoi? Parce que dans cette nation, il y a ses enfants. Dieu a dit, si je trouve 20 personnes dans Sodome, je ne détruirai pas. Abraham a fait ce qu'il a pu dans l'intercession. Mais malheureusement, dans cette ville, il n'y avait pas de juste à part Lot. Et c'est Lot qui était sorti, lui et sa famille. Tout le reste avait péri. Vous voyez ça? Il n'y a que Lot. Il n'y a que Lot qui était juste. Vous voyez toute l'importance des croyants. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, bien-aimé, quand quelqu'un prie, quand tu as un voisin qui prie, tu as un collègue qui prie, bénis Dieu pour cette personne. Parce que grâce à cette personne, Dieu va élever la nation. Grâce à cette personne, Dieu va pardonner la nation. Grâce, plus il y aura des justes, plus Dieu va pardonner la nation. Alors, je vous ramène à une réflexion. La réflexion des prophéties contre les nations. La réflexion des prophéties. Dieu va détruire Paris. Dieu va détruire l'Afrique du Sud. Dieu est en train de détruire les États-Unis. À partir de maintenant, il y a un jugement sur la France. Ok, d'accord. Il y a un jugement sur la France. Il y a un jugement sur l'Europe. Mais où est-ce que vous mettez tous les justes qui sont en France? Est-ce que vous voyez un peu comment je détruis directement la réflexion, la pensée de tous ceux qui disent, exemple, que l'Europe est condamnée. Il y a beaucoup de prophètes en Afrique qui condamne l'Europe. L'Europe est condamnée. Quittez vous tous les Africains, quittez l'Europe, venez en Afrique parce que Dieu est en train de juger l'Europe. Est-ce que Dieu va rejeter ses enfants qui sont en Europe? Est-ce que Dieu va rejeter tous ces Européens de souche qui sont des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu? Dieu va les rejeter, donc Dieu va les enfermer, Dieu va les détruire, parce qu'il y a une prophétie qui est sortie. Au lieu de prier et de présenter les justes qui sont dans la nation, au lieu de prier et de présenter les justes qui sont en Belgique, les justes qui sont en France, les justes qui sont en Ukraine. Quand je prie pour l'Ukraine, je présente les croyants qui sont en Ukraine. Père, que cette guerre s'arrête. Détruiras-tu, feras-tu périr tes enfants qui sont en Ukraine? Est-ce que vous voyez? Quand vous présentez les justes, s'il y avait un jugement qui était exercé sur ce pays, Dieu va dire, je ne détruirai plus.
Dieu dit, viens, venez, plaidons ensemble, venez plaider avec moi. Abraham a eu le courage de plaider avec Dieu. Il a commencé à faire le deal. Il a commencé à négocier, tel un commercial. Il commence à négocier. Bon, si tu en trouves 50, je ne détruis pas. Si tu en trouves 45, si tu en trouves 30, je ne détruis pas. Malheureusement, le pauvre, la ville était tellement remplie de mal qu'il n'y avait pas de juste. Il fallait que Dieu détruise. Mais quand un prophète sort pour vous dire, quittez, revenez en Afrique, tous les Africains, vous allez être enfermés dans ce pays, tous les Africains, on vous dit des mensonges parce qu'ici, on peut négocier. Dieu ne détruit pas ses enfants. Alléluia. Dieu ne détruit pas, il est le juste juge. Il ne va pas détruire le juste et le méchant en même temps. Non, la preuve, tellement il ne détruit pas le juste et le méchant, il a fait sortir Lot avant. Lot et sa famille étaient sortis. Il est venu sauver Lot et sa famille. Il a envoyé des anges pour aller sauver Lot et sa famille. Si Dieu exerce un jugement dans une ville, il fera en sorte d'épargner ses enfants. Il épargnera ses enfants. Il va t'épargner des catastrophes qui vont arriver. Il va t'épargner des catastrophes naturelles. Il va t'épargner des attentats. Il va t'épargner des rixes. Il va t'épargner de tout ce qui peut être mauvais. Il épargne ses enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'abandonner. Non mais, et tu commences à avoir peur même de ton pays. Tu commences à avoir peur, tu dis oulala. Là, on va être détruit, mais tu es là. La Bible déclare que la justice élève une nation. La justice élève une nation. Et c'est là où, bien aimé, toute l'importance de prier pour qu'il y ait un réveil dans la nation, qu'il y ait un réveil dans ton quartier, qu'il y ait un réveil dans ta ville, un réveil spirituel, que le Saint-Esprit envahisse le quartier dans lequel tu te trouves, que le Saint-Esprit envahisse la ville dans laquelle tu te trouves. Parce qu'une ville qui est réveillée, une ville qui est remplie du réveil spirituel est une ville, bien aimée, qui ne peut pas être détruite. Parce que le Saint-Esprit va être là. Et là où il y a l'Esprit, il n'y a pas de destruction. Alléluia. Une ville qui est remplie du Saint-Esprit, un pays qui est rempli du Saint-Esprit, un pays où il y a le réveil spirituel. Dieu lui-même, il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pays sera guéri. Le pays sera guéri s'il y a des personnes qui élèvent la voix pour dire, oh Dieu, aie pitié de ce pays. Souviens-toi de nous qui te servons dans ce pays. Souviens-toi des justes qui sont dans ce pays. Souviens-toi des hommes de Dieu qui sont dans ce pays. Souviens-toi de tous ceux qui ont sacrifié leurs enfants, leur famille, leur talent, leur temps, leur argent pour te servir dans ce pays. Souviens-toi de nous. La voix va monter devant Dieu et Dieu va dire, à cause de vous, je ne détruirai pas. Donc, s'il y avait seulement 30 justes dans Sodome, Dieu n'allait pas faire pleuvoir la pluie de feu sur Sodome. On n'allait même pas lire ça dans la Bible. Il allait arrêter parce qu'il est un Dieu juste. Il ne fait pas périr le juste et le méchant en même temps. Bien-aimé, il est un Dieu juste. Connaissant l'Éternel, quand on connaît comment Dieu fonctionne, alors nous allons prier avec stratégie. Nous allons prier avec tactique. Nous n'allons pas prier pour prier. Tu pries dans le vide, tu ne sais pas comment. Tu pries avec stratégie. Et quand tu pries pour la nation, tu dis, Père, je suis en train de prier pour la nation. Bénis cette nation. Père éternel, souviens-toi aussi de ma famille. Que ma famille soit bénie dans cette nation. Parce que tu as prié pour la nation. Parce que tu appelles le règne de Dieu sur la nation. Dieu automatiquement bénit aussi ta famille. Dieu automatiquement bénit aussi ta maison. Dieu automatiquement se souvient de ta maison, se souvient de ta famille, parce que tu pries pour la nation. Les chrétiens ont un défaut. Ils prient pour tout, sauf pour la nation. Ils prient pour tout, sauf pour les autorités dans la nation. Ils prient pour tout, sauf pour leur quartier. Ils prient pour tout, sauf pour les âmes. Nous devons prier pour les âmes. Tu dois avoir le fardeau des âmes. Tu dois avoir le fardeau de la nation. Le fardeau de voir cette nation être sauvée. Le fardeau de voir que toute une ville dédie une journée à Jésus-Christ. Le fardeau de voir au marché des gens qui élèvent Jésus. Tu dois avoir ce fardeau de voir le nom de Jésus-Christ être élevé sur la nation. Tu dois avoir ce fardeau. Quand tu portes ce fardeau, Dieu aussi te porte. Oh, quand tu portes, vous savez, le fardeau de Dieu, c'est les âmes. Le plus grand fardeau de Dieu, c'est les âmes. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus sur la terre, pour que les hommes soient sauvés, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Le fardeau de Dieu, c'est les âmes. Quand tu portes le fardeau de Dieu, Dieu te porte aussi. Écris avec moi. Oh, quand je porte le fardeau de Dieu, Dieu aussi me porte. Quand je porte le fardeau de Dieu,
Dieu aussi me porte. Le fardeau de Dieu, c'est quoi? Les âmes. Quand je porte le fardeau de Dieu, Dieu aussi me porte. Alléluia. Là, tu n'as pas besoin de prier. Parce que tu pries pour les âmes. Parce que tu as le fardeau que les âmes soient sauvées. Parce que quand tu vois les pécheurs, ton cœur fait mal. Parce que tu parles de Jésus. Tu veux voir la nation être sauvée. Dieu va te porter sans que tu fasses des efforts. Dieu va te porter sur les ailes d'aigle. Dieu va te porter. Tu seras aussi porté. Quand je porte le fardeau de Dieu, Dieu aussi me porte. Alléluia. Quand je porte le fardeau de Dieu, Dieu aussi me porte. Quand je reçois maintenant le cœur de Dieu, quand je porte sur moi le cœur de Dieu, Dieu aussi me porte. Alléluia. Dieu aussi me porte. Dieu va te porter. Pourquoi? Parce que tu es la solution. Tu es sa solution sur la terre. Tu es son instrument sur la terre. Il ne va pas t'abandonner. Portez le fardeau de Dieu. De temps en temps, priez pour les chrétiens qui sont dans des pays difficiles. Pour des chrétiens qui passent des temps difficiles. Toi, tu peux faire le culte facilement. Tu mets sur Internet, tranquille. On met sur Internet. Les gens nous regardent. Mais il y a des pays où ils font les cultes en cachette, dans des caves. Ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas pratiquer leur vie chrétienne. Ils ne peuvent pas, parce que si on les voit, on va les tuer. Ils servent Dieu au prix de leur sang. Ils servent Dieu au prix de leur vie. Toi, tu le fais facilement. Oh, porte le fardeau de Dieu. Prie pour la nation, que la nation soit sauvée, que les âmes soient de plus en plus sauvées. Prends le nombre d'habitants qui sont dans ta nation. Commence à prier par la foi et à dire, Père, oh, qu'en ce mois, qu'il y ait au moins 100 000 personnes qui se convertissent. Seigneur, je prie pour 100 000 personnes. Que les 100 000 personnes, oh, que toi-même tu connais par le Saint-Esprit, que ces 100 000 personnes se convertissent maintenant. Que ces 100 000 personnes soient touchées. Seigneur, dans ce pays, partout où ils sont, que le vent de l'Esprit les touche. Que le vent de l'Esprit les touche et qu'ils se convertissent maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il y ait 100 000 personnes qui se convertissent. Waouh! Alléluia. Seigneur, ce mois-ci, je négocie. 200 000 personnes doivent se convertir. Alléluia. Bien-aimé, ta prière, ton intercession va trouver un écho devant le cœur de Dieu. Ton intercession va trouver un écho devant le trône de Dieu. Et le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit va se répandre sur la nation au travers de ta prière. Le Saint-Esprit va souffler un vent de réveil sur la nation au travers de ta prière. Parce que tu portes le fardeau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des pays où tu ne peux pas prier facilement. Priez pour ces enfants de Dieu qui sont là-bas dans des conditions difficiles. Prie pour leur sécurité. Prie que Dieu les bénisse. Prie que qu'on puisse leur donner la liberté de pratiquer leur culte, de pratiquer leur prière, de faire leur culte. C'est à toi de prier. Alléluia. C'est à toi de prier. C'est pour cela qu'il est important de demander à ce que le Saint-Esprit envahisse la nation. Abraham était un homme comme toi et moi. Abraham a été fait de chair comme toi et moi. Mais Abraham était un grand intercesseur. Un intercesseur capable de négocier avec Dieu. Un intercesseur capable de dealer avec Dieu. Un intercesseur. Alléluia. Un intercesseur. Quand tu pries pour ta famille, parce que vous avez quelqu'un, un sorcier, qui est en train de bouffer tous les gens de la famille, qui est en train de maudire tous les gens de la famille, commence à présenter les justes de la famille. Seigneur. Seigneur, regarde, nous sommes juste, nous prions. Permettras-tu à ce sorcier, permettras-tu à cet insensé de finir toute la famille? Seigneur, lève-toi, agis. Permettras-tu à cet insensé de continuer à maudire, de continuer à oppresser les gens de la famille, de continuer à prendre les étoiles des gens? Seigneur, lève-toi, viens délivrer ma famille. Délivre ma famille. Présente les justes dans la famille. Présente ceux qui prient dans la famille. Seigneur, entends la prière d'un tel. Un tel prie, l'autre prie. L'autre, Seigneur, permettras-tu à un seul insensé ou à deux insensés, à deux sorciers, trois sorciers dans la famille d'oppresser toute la famille? Permettras-tu cela? Dieu va se lever. Parce qu'il est un Dieu juste. Alléluia. Il est un Dieu juste. Il va se lever et il va sauver ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier pour la nation. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour ta nation. Tu vas dire, Père, je te bénis encore. Merci, Seigneur, pour cette nation que tu m'as donnée. Si tu as deux pays, tu as un pays d'origine et tu as un pays d'adoption, tu bénis Dieu pour ton pays d'origine et tu bénis Dieu aussi pour le pays d'adoption, ce pays qui t'a reçu.
de pays, ce pays qui t'a adopté, ce pays qui est devenu ta deuxième nation. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci pour ta nation. Tu vas lui dire merci parce que c'est lui qui a permis que tu sois dans ce pays. C'est lui qui a permis que tu naisses dans ce pays. S'il a permis que tu naisses dans ce pays, c'est parce qu'au travers de toi, il y a quelque chose de bon qui va rentrer dans ce pays. Au travers de toi, il veut bénir ce pays. Commence à lui dire merci. Remercie le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Père céleste, Père puissant, Père juste, je viens encore te bénir, je viens encore te louer. Merci Seigneur, ô Dieu, pour mon pays. Merci pour cette nation que tu m'as donnée. Merci pour ces nations que tu m'as données. Là où tu m'as établi, Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, Seigneur, car c'est toi qui as permis que je sois dans ce pays. C'est pour cela que je célèbre ton nom, c'est pour cela que je loue ton nom. Seigneur, si ce n'était pas ta volonté, je ne serais pas dans ce pays. Si ce n'était pas ta volonté, je ne serais pas né dans ce pays. C'est pour cela que je te bénis, je te loue, car tout ce que tu fais est bon. Merci pour ce pays que tu m'as donné. Merci pour cette nation que tu m'as donnée. Merci d'avoir permis que je sois citoyen, Seigneur, dans cette nation, citoyen de cette nation. Je te bénis, je te loue, je te magnifie, mon Père. Merci car ma vie est entre tes mains. Merci car ma maison est entre tes mains. Merci car mes enfants sont entre tes mains. Merci car ma nation est entre tes mains. Merci car mon quartier est entre tes mains. Merci car c'est toi qui contrôles toutes choses dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu feras encore, merci pour ce que tu as déjà fait. Je te bénis parce que tu es bon et ta bonté est constamment sur moi, ta bonté est constamment sur ma vie, ta bonté est constamment sur ma maison, ta miséricorde est constamment sur ma vie. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois Père la magnificence encore en ce jour, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore demander pardon. Nous voulons demander pardon à Dieu. Confesser les péchés de notre nation. Alléluia. Tu vas confesser les péchés de la nation. Tu vas dire, Seigneur, je viens encore te demander pardon pour tous les péchés que nous commettons dans cette nation. Je viens te demander pardon pour tous les péchés que les dirigeants commettent dans cette nation. Je viens te demander pardon pour tous les péchés, pour toutes les iniquités, Seigneur, qui ont été commises par les ancêtres. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les autels qui ont été placés dans cette nation, dans le nom de Jésus. Tous les autels maléfiques qui ont été placés. Seigneur, nous venons te demander pardon. Je te demande pardon. Bien-aimé, commence à demander pardon. Demande pardon à Dieu. Oui, confesse les péchés de la nation. Que le Père pardonne les péchés de cette nation. Que le Père pardonne les péchés de cette nation. Que tous les péchés qu'on commet dans ce pays nous soient pardonnés. Que tous les péchés que les dirigeants de ce pays commettent nous soient pardonnés. Que tous les péchés qui montent en abomination devant Dieu depuis cette nation soient pardonnés. Dans le nom de Jésus, commence à demander pardon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, demande pardon. Mon Père, je viens encore dans ta présence. Seigneur, en ce jour, te demander pardon. Pardonne, Seigneur, les péchés de ma nation. Pardonne les péchés de mon pays. Pardonne, Seigneur, tous les péchés qui ont été commis par nos ancêtres. Pardonne, Seigneur, tout ce que les ancêtres ont fait et qui ont vendu la nation. Nous te demandons pardon, Seigneur. Aie pitié, aie miséricorde, ô Dieu. Pardonne tous les péchés que nous commettons dans cette nation et qui ne t'honorent pas. Tous les péchés, Seigneur, ô Dieu, qui sont commis, oh, par-ci, par-là, dans ce pays, dans cette nation. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne toute la violence qu'il peut y avoir dans cette nation. Pardonne, Seigneur, le rejet de Dieu. Pardonne tous ceux qui se moquent, Seigneur, ô Dieu, à chaque fois que nous faisons l'évangélisation. Pardonne, Seigneur, l'incrédulité des hommes et des femmes. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de gloire. Pardonne l'injustice qui peut se faire par-ci, par-là. Oh, nous te demandons pardon. Pardonne, Seigneur, pardonne les meurtres, pardonne les conspirations. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout conflit de toute nature. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de gloire, les clans, toute la prostitution qui peut se faire dans ce pays. Pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, tout ce que nous faisons dans ce pays et qui ne t'honore pas. Pardonne, Seigneur, tout péché qui est commis dans ce pays et qui est une abomination devant ton trône. Pardonne, Seigneur, toutes les mauvaises odeurs qui quittent cette nation et qui montent, Seigneur, vers toi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne par ta miséricorde. Pardonne, Seigneur, ô Dieu. Pardonne, Seigneur, tout esprit de rejet de Dieu. Pardonne, Seigneur, tout esprit de rejet de l'Évangile. Pardonne, Seigneur, tout esprit d'incrédulité. Pardonne, Seigneur, tout esprit de prostitution. Tout esprit de drogue. Tout esprit, Seigneur, ô Dieu, d'impureté. Tout esprit de dissolution. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne le pays. Pardonne la nation.
dans le nom de Jésus. Pardonne les familles de ce pays. Pardonne les familles de cette nation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur encore. Tu vas demander au Saint-Esprit d'envahir la nation avec un nouveau réveil. Avec un réveil. Bien-aimé, le réveil, c'est une capacité, c'est une puissance de l'Esprit qui vient dans un pays, qui vient dans un environnement, qui vient dans une ville et qui ramène la repentance et qui ramène la conversion. Les gens commencent à se convertir, tu ne comprends pas, les gens se convertissent en cascade. Les gens commencent à prier en cascade. C'est ça qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est quand Dieu souffle un vent de l'Esprit qui pousse les gens à se repentir, qui pousse les gens à chercher Dieu, qui met dans le cœur des gens la faim de Dieu, qui met dans le cœur des gens un réveil. C'est comme s'ils dormaient maintenant, ils se réveillent. Et il commence à chercher Dieu. Il commence à chercher Dieu. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation un vent de réveil au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation un vent de réveil. Que des hommes et des femmes commencent à se tourner vers Dieu. Que des hommes et des femmes commencent à chercher Dieu. Que des hommes et des femmes, que des quartiers entiers soient dédiés au Seigneur. Que des jeunes puissent chercher Dieu dans le nom de Jésus. Sur la nation, qu'il y ait un réveil, qu'il y ait un vent de l'Esprit qui va ramener un réveil, qui va ramener la repentance, qui va ramener des conversion dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation un vent de réveil au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation un vent de réveil au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation un vent de réveil au nom de Jésus. Que les hommes et les femmes se donnent au Seigneur. Que des hommes, des femmes, des adolescents, des enfants se tournent vers Dieu dans cette nation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit plante dans le cœur de cette nation, dans le cœur du peuple de cette nation, dans le cœur du peuple de mon pays, la soif de chercher Dieu, la faim de chercher Dieu. Saint-Esprit, souffle un vent de réveil sur notre nation, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, souffle un vent de réveil sur mon pays, souffle un vent de réveil sur mon quartier, souffle un vent de réveil sur ma ville, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie que le vent de l'Esprit puisse souffler sur Paris, puisse souffler sur Lyon, au nom puissant de Jésus. Que le vent de l'Esprit puisse souffler sur la France, sur l'Ukraine. Que le vent de l'Esprit puisse souffler en Russie. Bien-aimé, si le vent de l'Esprit souffle en Russie, les Russes vont commencer à prier. Les Russes vont commencer à chercher Dieu. Et la guerre va se terminer. La guerre va se terminer. La guerre va se terminer. Bien-aimé, prie pour qu'il y ait le réveil. Que le réveil tombe sur la nation. Que le réveil tombe en Europe. Que le réveil tombe aux États-Unis. Que le réveil tombe en Afrique. Qu'un nouveau réveil vienne. Qu'un nouveau réveil vienne. Où des foules et des foules vont donner leur vie à Jésus. Où des milliers et des milliers vont donner leur cœur au Seigneur. Où des jeunes vont se lever. Où même des enfants vont se lever. Et vont commencer à vivre l'effusion du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie pour la nation? Alors que tu es en train de prier pour la nation, alors que tu appelles le réveil sur ta nation, bien-aimé, tes enfants aussi sont en train d'être sauvés. Alors que tu appelles le réveil sur ton pays, tes enfants aussi sont en train d'être sauvés. Ta maison aussi est en train d'être sauvée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit souffle un vent nouveau, un vent de réveil, un vent de repentance, un vent de conversion, un vent de transformation, un vent de changement. Dans le nom de Jésus, sur la nation, un vent qui va chasser le vent du péché, un vent de justice, un vent de repentance qui va chasser le vent du péché, qui va chasser le vent du rejet de Dieu, qui va chasser le vent de l'incrédulité. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, ô Saint-Esprit, qu'un nuage de repentance, qu'un nuage de conversion, qu'un nuage de réveil envahisse cette nation. Dans le nom puissant de Jésus, du sommet de l'État jusqu'au petit peuple, au nom de Jésus, qu'un réveil tombe même sur les hommes politiques, qu'un réveil tombe sur le gouvernement, qu'un réveil tombe sur les députés, qu'un réveil tombe sur les professeurs, qu'un réveil tombe sur tous ceux qui sont dans l'administration, qu'un réveil tombe sur cette nation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans les marchés qu'on parle de Jésus, dans les écoles qu'on parle de Jésus, partout que le nom de Jésus puisse rentrer, au nom puissant de Jésus, à la télé qu'on parle de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'un réveil puisse rentrer, qu'un réveil puisse rentrer, dans le nom de Jésus, 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 alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia.
Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Vous savez, le diable cherche à ce qu'une nation soit détruite. Le diable cherche à ce qu'un pays soit détruit. Le diable cherche la destruction du pays et des peuples. Le diable cherche à ce que la jeunesse soit détruite. Tu vas prier, tu vas prendre autorité contre tout plan de l'ennemi, contre la nation, au nom de Jésus. Tu vas dire au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de midi maintenant, je viens détruire tous les plans de l'ennemi contre ce pays au nom de Jésus. Je viens détruire tous les plans du diable contre la jeunesse dans ce pays au nom puissant de Jésus. Je viens détruire tous les plans de l'ennemi contre les familles dans ce pays au nom puissant de Jésus. Commence à détruire. Le Seigneur a dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Détruis maintenant les désirs du diable, les projets, les ruses de l'ennemi contre ce pays, contre la nation. Que cela soit détruit, que cela soit calciné au nom puissant de Jésus. Je répète encore, tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je viens détruire maintenant toutes les ruses de l'ennemi contre la nation au nom de Jésus. Je viens détruire maintenant tous les plans de l'ennemi contre la nation, contre les peuples, contre les habitants de ma nation, contre la jeunesse de ma nation. Je détruis les projets de l'ennemi contre la jeunesse de ma nation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à détruire cela dans le nom de Jésus. Je vais vous dire ce qui se passe en France. En France, il y a deux vents qui sont en train de souffler en ce moment. En France, il y a deux vents maléfiques qui sont en train de tourner en ce moment. Et le Saint-Esprit m'en a parlé. Le premier vent, c'est qu'il y a un vent qui est en train de tuer les jeunes. Beaucoup de jeunes sont en train de mourir. On doit prier pour que les jeunes ne meurent pas. Que tous les plans de l'ennemi contre la jeunesse dans ce pays, la France, soient détruits. Et nous sommes au mois d'octobre et le diable est en train de demander du sang de la jeunesse. Je vous l'avais dit la dernière fois, il me semble. C'est pour cela que nous devons détruire tous les plans du diable contre les jeunes au nom de Jésus. Sinon, vous allez voir des jeunes mourir comme ça. À l'école, on l'a touché, il est mort. L'autre là-bas, il a marché, il est mort. Nous devons détruire cela au nom puissant de Jésus. L'ennemi est en train de demander du sang frais. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. L'ennemi est en train de demander du sang frais. Donc, il cherche des jeunes enfants. Il cherche des jeunes adolescents. Nous devons détruire cela au nom de Jésus. Le deuxième vent qui souffle sur la France en ce moment, c'est le vent des accidents. Vous allez voir que le diable est en train de chercher à tuer beaucoup de personnes au travers des accidents. Au travers des accidents. Nous devons détruire le vent des accidents maintenant, au nom de Jésus. Que tout plan d'accident contre les peuples dans ce pays, contre cette nation, soit maintenant anéanti au nom de Jésus. Que tous les plans que l'ennemi a prévus contre la France au travers des accidents soient détruits au nom puissant de Jésus. Nous calcinons cela. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Nous anéantissons cela dans le nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. 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 Nous détruisons en Afrique, détruisez tout esprit de guerre civile. Parce qu'il y a eu une accalmie en ce moment et l'ennemi va vouloir ramener encore une guerre civile. Il va vouloir ramener encore une guerre civile. Surtout dans le pays, dans les pays de l'Ouest. Les pays de l'Ouest. Et aussi un peu en Afrique centrale. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Que tous les plans du diable contre les pays de l'Afrique centrale, contre les pays de l'Afrique de l'Ouest, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de guerre civile, tout esprit d'écoulement de sang, tout esprit qui veut ramener encore les peuples à se battre, soit anéanti, soit brisé dans le nom de Jésus. Que le vent de l'Esprit Saint puisse chasser tout vent de guerre civile, puisse chasser tout vent de tribalisme dans le nom de Jésus. 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 Que cela soit anéanti, que cela soit détruit, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que cela soit détruit. Alors que tu es en train de prier, Dieu est en train de protéger tes enfants. Alors que tu es en train de prier, Dieu est en train de protéger la jeunesse. Alors que tu es en train de prier, Dieu est en train de protéger. Au nom de Jésus. 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 Que tous les plans du diable contre ce pays soient nuls et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas appeler le sang de Jésus.
Que le sang de Jésus puisse parler pour cette nation. Que le sang de Jésus puisse parler pour la France. Que le sang de Jésus parle pour l'Ukraine, là où il y a la guerre. Que le sang de Jésus parle pour l'Europe. Que le sang de Jésus, tu vas dire avec moi, ô sang de Jésus, parle maintenant en faveur de ma nation. Ô sang de Jésus, parle en faveur de l'Ukraine, dans le nom de Jésus. Et que la paix rentre dans ce pays. Sang de Jésus, parle en notre faveur. Parle en faveur de la paix en Europe. Sang de Jésus, parle en faveur de la paix aux États-Unis. Sang de Jésus, parle en faveur de la paix en Afrique, au nom de Jésus. Sang de Jésus, commence à parler. Parle pour la nation. Parle pour mon pays. Parle pour mon quartier. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Que le sang de Jésus parle pour ton quartier. Que le sang de Jésus parle pour ton pays. Que le sang de Jésus puisse parler pour ta ville. Au nom puissant de Jésus. Et que ta ville soit maintenant purifiée. Et que ta ville soit maintenant purifiée. Et que tout ce qui est des ténèbres tombe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta ville soit bénie. Que ton pays soit béni. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle en faveur de ton pays. En faveur de ta ville. En faveur de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que le sang de Jésus parle en faveur de ta nation. Que le sang de Jésus parle en faveur de ton quartier. Au nom de Jésus, que ton quartier ne soit plus un quartier sensible. Que ton quartier ne soit plus un quartier de voyous. Mais que ton quartier devienne un quartier de la paix. Au nom puissant de Jésus, un quartier exemplaire. Au nom puissant de Jésus, que ta ville devienne une ville prospère. Au nom de Jésus, que ton pays devienne un pays prospère. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle en faveur de la vie spirituelle de la nation. Que le sang de Jésus parle en faveur de l'économie de la nation. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle en faveur de ta nation. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire avec moi, tu vas recommander tous les chrétiens qui sont dans la nation entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander tous les croyants. Tu vas dire, ô Seigneur, alors que je prie pour la nation, je te recommande tous les croyants qui sont dans cette nation. Mon Père, bénis-les, bénis tous les croyants, Seigneur. Tous les chrétiens, Seigneur, tous ceux qui passent des moments difficiles, tous ceux qui passent des moments compliqués, Seigneur, je t'en supplie, envoie ton ange afin de les secourir. Envoie ton ange de la même manière que tu avais secouru Lot et que Lot était sorti de Sodome et Gomorre. Je te prie, Seigneur, secours ceux qui souffrent dans ce pays. Secours tes enfants qui souffrent dans cette nation. Souviens-toi de tes justes. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes bien-aimés. Souviens-toi, Seigneur, bénis tous ceux qui te cherchent. En esprit, en vérité, Seigneur, viens au secours de tes enfants dans cette nation. Viens au secours de tes justes dans cette nation. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours. Commence à recommander tous les chrétiens de la nation. Commence à recommander toutes les familles chrétiennes de la nation. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie de bénir, Seigneur, là où il y a un enfant de Dieu qui est malade et qui crie à toi, Seigneur, que ta guérison rentre dans sa maison. Là où il y a un enfant de Dieu qui a besoin de quoi manger, Seigneur, oh Dieu, et qui ne sait pas quoi manger, je t'en prie, Seigneur, ramène, oh Dieu, la nourriture afin que, Seigneur, ton enfant puisse manger. Là où il y a, Seigneur, un enfant de Dieu qui a des difficultés et qui ne sait plus quoi faire, Seigneur, qu'au travers de cette prière, que ton vent puisse le visiter, que le Saint-Esprit le visite, que le Saint-Esprit le visite, vent du Saint-Esprit. Localise tous les chrétiens de cette nation. Vent du Saint-Esprit, localise tous les enfants de Dieu de cette nation. À ceux qui sont malades, donne la guérison. À ceux qui ont besoin, Seigneur, de délivrance, envoie ta délivrance. À ceux qui ont besoin, Seigneur, de restauration, restaure-les. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À ceux qui ont besoin de voir ta main, Seigneur, laisse-toi trouver dans la vie de ceux qui te cherchent dans cette nation. Laisse-toi trouver, Seigneur, dans la vie de tes bien-aimés. Laisse-toi trouver, Seigneur, dans la vie de tes justes, à ceux qui ont besoin d'avoir, Seigneur, des enfants, qui ont la stérilité, Seigneur, que ton vent, le vent de l'esprit, puisse souffler maintenant, laisse la fertilité dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis tous les chrétiens de cette nation. Bénis tous les chrétiens de cette nation. Que le vent de l'esprit commence à visiter chaque adresse, chaque personne, chaque maison. Et que tu puisses ramener la guérison. Et que tu puisses ramener la délivrance. Et que tu puisses emmener la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, relève ceux qui sont à terre. Relève, Seigneur, récupère, que ton vent, Saint-Esprit, récupère tous les enfants de Dieu qui ont rétrogradé dans cette nation, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont stagné, tous ceux qui ont fait marche arrière, tous ceux qui se sont refroidis. Saint-Esprit, oh, que tu les cherches. Saint-Esprit, que tu les relèves. Saint-Esprit, que ton vent les ramène à la maison, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton vent les ramène dans ta maison, que ton vent les ramène à chercher Dieu, que ton vent les ramène à leur premier amour, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Priez, bien-aimés, pour tous les chrétiens de la nation, qui étaient ceux qui étaient zélés hier, mais qui ont perdu le zèle aujourd'hui, tous ceux qui étaient enfants de Dieu hier, mais qui sont à terre aujourd'hui, tous ceux qui cherchaient Dieu hier, mais aujourd'hui qui sont maintenant, ils sont découragés, ils sont démoralisés, que le vent de l'Esprit aille les chercher, que le vent de l'Esprit aille les chercher. Il y a des chrétiens qui se sont enfermés dans leur maison. Mais au travers de ta prière, que le vent du Saint-Esprit les relève. Que le vent du Saint-Esprit aille les chercher. Aille les sortir de leur enfermement. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour le gouvernement. Tu vas prier pour le gouvernement de la nation. Et tu vas dire au Père, ô mon Père, que notre gouvernement puisse suivre les principes de Dieu. Que notre gouvernement puisse suivre les principes de Dieu. Ô Seigneur, que notre gouvernement suive les principes de Dieu, suive les instructions de Dieu, suive les lois de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que notre gouvernement soit bâti sur les principes de Dieu, que notre gouvernement puisse voter des lois sur les principes de Dieu, au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Que l'Assemblée nationale puisse voter des lois sur les principes de Dieu, que tous ceux qui nous dirigent dans ce pays puissent diriger sur les principes de ta parole, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que les principes de l'ennemi soient renversés, que les principes de l'ennemi puissent tomber, que les principes de l'ennemi puissent tomber, mais que Seigneur, nos dirigeants nous dirigent sous les principes de Dieu, sous les principes de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Que la loi dans ce pays, que la loi dans cette nation soit bâtie sur ta parole au nom de Jésus. Oh, sois bâti sur ta parole, au nom de Jésus. Que la loi dans cette nation soit bâtie sur ta parole, soit bâtie sur ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Que les lois qui seront votées dans ce pays, que les lois qui seront votées dans ce pays soient bâties, soient tirées de tes principes, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Et que les lois qui seront votées par notre gouvernement soient des lois qui seront, Seigneur, dans l'avantage de tes enfants, soient des lois qui seront en avantage pour tes enfants, soient des lois qui seront avantageuses pour tes enfants, pour les justes de la nation, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie que les lois qui seront votées puissent être avantageuses pour les enfants de Dieu. Prie que les lois qui seront votées soient avantageuses pour tous ceux qui cherchent Dieu. Que les lois qui seront votées soient avantageuses pour les chrétiens, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors que tu pries pour cela, il y aura une loi qui sera votée et qui sera avantageuse pour toi. Alors que tu intercèdes pour cela, une loi sera votée et cette loi sera avantageuse pour toi. Je déclare cela au nom de Jésus. Alors que tu pries pour cela, je déclare que très bientôt, le gouvernement va voter une loi qui sera avantageuse pour toi. Tu vas tirer des bénéfices de cette loi. Tu vas tirer des bénéfices de cette loi. Ta vie sera stabilisée au travers de cette loi. Ta vie sera bénie au travers de cette loi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ta vie sera stabilisée au travers de cette loi. Toutes les lois du diable, toutes les lois qui viennent, qui sont inspirés de l'enfer, que cela soit brûlé au nom de Jésus, mais que les lois qui sont inspirées des principes de Dieu, que les lois qui sont inspirées de la parole de Dieu puissent être votées, puissent être acceptées, puissent prendre le dessus, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Et que ces lois soient pour ton avantage. Que ces lois soient pour l'avantage de tes enfants. Que ces lois soient pour l'avantage de ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que le roi Abimélèque avait donné, lancé un décret. Avait donné un décret que personne ne devait toucher à la vie d'Isaac ni de sa femme. De la même manière que le gouvernement puisse voter des lois. Que le gouvernement puisse décréter des lois qui seront pour ton avantage. Qui sera pour ton bien. Dans le nom puissant de Jésus. De la même manière du temps de Joseph.
Pharaon avait donné une loi et a dit à Joseph de prendre la meilleure partie du pays pour lui et sa famille. Et personne ne touchait à la famille de Joseph. Ils étaient dans la paix. Ils étaient dans la paix. Ils étaient dans la paix. Que ça soit la même chose pour toi, au nom puissant de Jésus. Que les lois qui seront votées soient avantageuses. Alléluia. Soient avantageuses pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que les lois de ce gouvernement, du gouvernement français, soient pour ton avantage. Que les lois du gouvernement belge soient pour ton avantage, au nom de Jésus. Que les lois du gouvernement suisse soient pour l'avantage des enfants de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que les lois du gouvernement américain soient pour l'avantage des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tu tires ton avantage dans le nom de Jésus. Toi qui as fait rentrer un dossier pour que tes enfants viennent en Europe et le dossier est toujours bloqué. Je prie dans le nom de Jésus que les lois puissent changer afin que tes enfants viennent avec facilité. Toi qui as fait la demande d'un visa pour que tu puisses aller aux États-Unis, je déclare maintenant qu'une loi soit votée pour que ton visa te soit donné facilement. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui sera voté soit pour ton avantage, pour l'avantage de ta maison, pour l'avantage des chrétiens dans le monde, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie avec foi, Dieu est capable de changer les lois, même si là où on a dit qu'ils vont voter une loi bizarre, une loi compliquée, ils vont voter une loi compliquée, mais parce que le Saint-Esprit est capable de changer les cœurs, le Saint-Esprit est capable de changer les temps et les circonstances, le Saint-Esprit est capable de changer les lois, de faire changer les lois, le Saint-Esprit est capable de changer les pensées des cœurs, il est capable de renverser toutes choses, il est capable de renverser les œuvres du diable, il est capable de changer, il est capable d'emmener une restauration, il est capable de renverser, n'est-ce pas lui qui avait renversé, on voulait tuer Mardoché avec tout le peuple juif, mais à la fin c'est Naaman qui avait été pendu sur le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Le Saint-Esprit est capable de changer les choses. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier encore pour les âmes dans le pays, sur la nation. Tu vas dire, mon Père, que les peuples dans cette nation aient soif, aient faim et soif de Dieu. Au nom de Jésus. Que les peuples dans cette nation aient faim et soif de Dieu. Que les habitants de ma ville aient faim et soif de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Prie pour la faim et la soif de Dieu. Que les habitants de la ville où tu te trouves, que les habitants de la nation dans laquelle tu te trouves, que les habitants du pays dans lequel tu te trouves, que les habitants du quartier dans lequel tu te trouves puissent avoir faim et soif de Dieu. Au nom de Jésus, que la faim et la soif de Dieu soient déversées. Que le Saint-Esprit déverse sur eux la faim et la soif de Dieu. Que le Saint-Esprit déverse sur eux. Oui, quand tu vas aller voir ton banquier, que ton banquier puisse te parler de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la faim et la soif de Dieu se déversent dans le cœur des habitants de notre nation, dans le cœur des habitants de ce pays. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quand tu vas aller au travail, que ton patron puisse avoir la faim et la soif de Dieu, que ton patron puisse te poser des questions sur Dieu, de la même manière que l'eunuque éthiopien avait posé des questions à Philippe sur Dieu. Philippe lui a posé la question, comprends-tu ce que je lis? Il a dit, comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne m'explique? Oh, je prie au nom de Jésus que tu puisses être l'évangéliste de ton patron, au nom puissant de Jésus, que tes collègues au travail qui sont en train de te combattent au travail puissent avoir la faim et la soif de Dieu et qu'ils viennent vers toi et que tu leur expliques les Écritures dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la faim et la soif de Dieu puissent maintenant se déverser sur la nation, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, que tes enfants qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu viennent te poser des questions sur Dieu, viennent te demander de leur expliquer les Écritures dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit déverse la faim et la soif de Dieu dans le nom de Jésus, que la personne qui te combat dans ton quartier, le voisin qui te combat soit changé, que la soif de Dieu puisse s'emparer de lui et qu'il vienne te chercher, que tu puisses lui expliquer les choses de Dieu.
Dieu, qui vient te chercher pour que tu puisses prier pour lui, qui vient te chercher pour te dire, s'il te plaît, explique-moi, que la faim et la soif de Dieu puissent brûler dans leur cœur, dans le nom de Jésus, que la faim et la soif de Dieu puissent brûler sur ton responsable qui te maltraite au travail, au nom puissant de Jésus, que la faim et la soif de Dieu puissent brûler sur le professeur de ton enfant à l'école, dans le nom puissant de Jésus, que la faim et la soif de Dieu puissent se déverser dans le cœur de la jeunesse dans ta maison, de la jeunesse à l'extérieur de ta maison, de la jeunesse dans ton quartier, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la faim et la soif de Dieu se déversent dans les nations, au nom puissant de Jésus. Et je vais encore plus loin, que la faim et la soif de Dieu puissent brûler maintenant dans le cœur des dirigeants, même le dirigeant le plus mauvais qu'on peut voir sur la terre, même le dirigeant le plus difficile, que la faim et la soif de Dieu brûlent dans son cœur, au nom puissant de Jésus. Brûle dans son cœur, au nom puissant de Jésus. Que la faim et la soif de Dieu puissent brûler dans le cœur de ton mari, maintenant, au nom puissant de Jésus. Que la faim et la soif de Dieu puissent brûler dans le cœur de ton mari, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de la nation, dans le cœur des familles, de toutes les familles de la nation, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Le Saint-Esprit déverse la faim et la soif de Dieu sur la nation. La faim et la soif de Dieu sur la nation. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la faim et la soif de Dieu puissent brûler dans le cœur du dirigeant le plus mauvais, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que tous les plans de l'ennemi, et que tous les plans de l'ennemi contre l'Église, et que tous les plans de l'ennemi contre la nation soient avortés, soient détruits, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire au sang de Jésus de sécuriser ta nation. Dis, sang de Jésus, sécurise ma nation. Sécurise mon pays. Sécurise mon pays d'origine. Au nom puissant de Jésus. Commence à nous sécuriser. Sécurise-nous. 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 Sang de Jésus, sécurise-nous. Pardonne nos péchés et sécurise-nous. Purifie la nation et sécurise-nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus puisse sécuriser ta nation. Sécuriser ton pays. Sécuriser ta ville, sécuriser ta maison, dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Peut-être que Dieu était sur le point de juger cette nation. Peut-être que Dieu était sur le point de détruire cette nation. Peut-être que Dieu était sur le point de briser, de juger, d'exercer un jugement sur la nation dans laquelle tu te trouves. Ou encore sur ton pays d'origine. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aie pitié de mon pays. Aie pitié de notre nation. Seigneur, n'exerce pas le jugement. Aie pitié, Seigneur. Pardonne et délivre-nous. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de l'Europe. Aie pitié de la France. Aie pitié de l'Ukraine. Aie pitié, Seigneur, au Dieu de la RDC. Aie pitié du Gabon. Aie pitié de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Aie pitié et n'exerce pas le jugement. N'exerce pas, Seigneur. Souviens-toi des justes. Souviens-toi de ceux qui te cherchent en esprit, en vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple dans cette nation. Et ne détruis pas. Ne la détruis pas. Ne la détruis pas. Ne la détruis pas. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Mais que ton règne vienne. Mais que ton règne vienne. Mais que ton règne vienne. Seigneur, aie pitié de cette nation. Aie pitié de mon pays. Aie pitié, Seigneur. Oh, là où tu voulais exercer un jugement. Là où tu voulais détruire. Seigneur, je te supplie, ne détruis pas. Seigneur, je te supplie, ne détruis pas. À cause des justes qui sont dans cette nation. À cause de ceux qui te cherchent en esprit, en vérité. À cause de ceux qui plient les genoux, qui fléchissent les genoux matin, midi, soir. Seigneur, ne détruis pas. Seigneur, ne détruis pas. Seigneur, que ta justice ne s'abatte pas sur la nation. Dans le nom de Jésus. Que ta justice ne s'abatte pas sur la nation. Mais que, Seigneur, tu pardonnes et que tu relèves la nation. Pardonne et relève la nation. Pardonne et bénis la nation. Pardonne et ramène la nation, Seigneur, au Dieu, dans ta miséricorde. Relève la nation. Relève la nation. Relève la jeunesse qui était à terre. Relève, Seigneur. Délivre les prostituées. Seigneur, délivre que le vent de l'esprit aille les chercher dans la prostitution. Délivre les drogués. Délivre, Seigneur, au Dieu, les malfaiteurs. Délivre-les. Transforme-les. Restaure-les. Relève la nation dans le nom de Jésus. Relève la nation
dans le nom de Jésus. Relève la nation, dans le nom de Jésus. Relève la nation. Alors, nous allons terminer par ce sujet. Bien-aimés, quand nous lisons l'histoire comment Abraham est en train de négocier avec Dieu pour ne pas détruire Sodome. Mais les anges étaient partis maintenant vers Lot. Les anges étaient partis dans la maison de Lot pour dire à Lot de sortir de cette nation parce que la nation allait être détruite, le pays allait être détruit. C'est pour cela, bien-aimés, les anges sont capables de localiser ta maison. Les anges sont capables de localiser ta maison dans cette nation. Dieu a envoyé des anges dans la maison de Lot. Ils sont arrivés dans son adresse. Ils sont arrivés dans sa maison. Ils sont rentrés dans sa maison. Tu vas prier, tu vas dire, mon père, que tes anges puissent localiser ma maison dans cette nation. Que ma maison soit localisée. Que ma famille soit localisée. Envoie tes anges afin de localiser ma maison. Envoie tes anges afin de localiser mon adresse. Envoie tes anges afin de localiser ma famille. Et bénis-moi, Seigneur. Bénis ma maison. Bénis ma famille. Bénis mes enfants dans cette nation. Bénis ma maison. Bénis ma famille. Bénis mes enfants dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que des anges soient envoyés dans ta maison. Que des anges soient envoyés dans ton adresse. Que les anges de Dieu soient envoyés là où tu habites. De la même manière qu'ils sont arrivés jusque chez Lot. Ils sont arrivés dans sa maison. Que les anges soient envoyés dans ta maison afin de t'emmener la bénédiction. Afin de t'emmener la délivrance. Oui, les anges sont arrivés chez Lot pour le délivrer. Que la délivrance vienne dans ta maison. Que dans cette nation, parmi des millions d'habitants, que toi tu sois localisé au nom de Jésus. Que dans cette nation, parmi des millions d'habitants, que ta famille soit localisée. Oh, Lot a été localisé dans Sodome. Lot a été localisé. Les anges sont partis le chercher pour le sortir de cette ville. Pour l'épargner de la destruction. Que les anges de Dieu localisent ta maison. Localise ta famille et t'épargne de toute destruction au nom de Jésus. Qu'il t'épargne de toute catastrophe au nom de Jésus. Qu'il t'épargne de toute contamination au nom de Jésus. Qu'il épargne ta maison de toute contagion au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu te localisent et t'épargnent de toute contagion, de toute contamination, de toute malédiction. Qu'il t'épargne de toute destruction au nom puissant de Jésus. Le même Dieu qui l'a fait pour Lot est le même qui le fait pour toi. Le même Dieu qui l'a fait pour Lot est le même qui le fait pour ta maison. Le même Dieu qui l'a fait pour Lot et sa famille est le même qui le fait pour toi et ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que parmi des millions d'habitants de cette nation, que tu sois localisé, que tu sois localisable, que les anges viennent dans ta maison, que les anges viennent dans ta famille, que les anges viennent vous épargner, vous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit localise ta maison. Que le vent du Saint-Esprit localise ton foyer. Que le vent du Saint-Esprit localise ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Afin de vous mettre au large. Afin de vous emmener dans le Rehoboth. Afin de vous élargir. Afin de vous faire prospérer dans le pays. Afin que vous puissiez prospérer dans le pays. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, mon Père, fais-moi prospérer dans ce pays. Fais-moi prospérer dans ce pays. Mon Père, mets-moi au large et fais-moi prospérer dans ce pays. Mets ma famille au large et fais-nous prospérer dans cette nation. Dans le nom de Jésus, que dans cette nation je puisse prospérer. Même si tu n'as rien aujourd'hui, Dieu est capable de faire de toi un patron demain. Même si tu n'as rien aujourd'hui, Dieu est capable de faire de toi une très grande dame demain. Dieu est capable de faire de toi un grand homme demain. Dieu est capable de te bénir d'une manière extraordinaire demain. Oui, même si tu n'as rien aujourd'hui, ne regarde pas à ce que tu as aujourd'hui, mais regarde à ce que Dieu va faire demain et commence à croire que Dieu va te bénir dans cette nation, que Dieu va te mettre au large, Dieu va te faire prospérer dans le pays. Oh, Isaac a dit, Rehoboth, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Prospérez dans ce pays au nom de Jésus. Prospère à tous égards dans ce pays. Prospère à tous égards dans cette nation où tu es. Prospère à tous égards dans ce pays où tu te trouves. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Et que tu rentres dans ton Rehoboth dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour l'exaucement. Nous sommes arrivés à la fin. Commence à prier et dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci de m'avoir exaucé encore. Merci car tu as écouté ma prière ce midi.
Merci car tu as exaucé la prière de ma nation. Merci car tu as exaucé ma prière. Et merci Père pour la restauration de la nation. Merci pour le pardon de la nation. Merci Seigneur pour ta justice qui envahit la nation. Merci pour le vent de l'esprit qui souffle maintenant sur la nation. Merci pour ta grâce sur la nation. Je te bénis, je te loue. Merci car tu me bénis dans cette nation et tu l'as déjà fait. Reçois la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tendre Père, je te bénis encore, merci. Alors que nous sommes arrivés à la fin, je te prie de bénir ton peuple. Seigneur, ma prière est que tu te souviennes de toute personne qui a prié pour la nation, toute personne qui a prié pour sa nation, Père, alors qu'ils ont porté le fardeau des âmes, que tu portes aussi leur fardeau, alors que ton peuple t'a présenté la nation devant ton trône, alors que tes enfants sont venus devant toi pour te présenter la nation, Seigneur, prends aussi soin de leur maison, Seigneur, prends aussi soin de leurs enfants, Seigneur, prends aussi soin de leur destinée, dans le nom puissant de Jésus. Bénis-les abondamment, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous accorde sa grâce, que l'Éternel puisse encore vous faire du bien en cet après-midi, dans le nom de Jésus, que l'Éternel vous fasse sourire, que l'Éternel vous visite, qu'il vous donne réhobotement tout ce que vous avez besoin au nom puissant de Jésus, et qu'il vous garde fidèle à lui, fidèle dans la foi, jusqu'à ce qu'il va revenir, dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci, garde-nous encore jusqu'à 18h, fortifie encore tes enfants, fortifie chacun de nous, et que nous puissions être là à 18h, pour la confession de la parole. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et localisés et localisables, et que le Seigneur vous fasse du bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, alors ne partez pas si vite. Si vous avez été bénis, aimez la vidéo, partagez la vidéo, partagez à une personne pour que la personne aussi puisse prier pour la nation. N'oublions pas notre programme du 10 décembre, nous sommes à Noisy-le-Sec. Vous avez tous les renseignements sur la fiche, on vous donnera aussi les moyens de transport, comment arriver à Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve donc ce soir pour la confession de la parole. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Alléluia. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche des notifications et le Seigneur sera béni et ça vous permettra aussi de recevoir toutes les notifications, tout ce qui concerne la tour de prière Semeur. Soyez bénis, n'oublions pas l'opération maison de prière, s'il vous plaît, ayez ça à cœur. Et le vendredi, venez prier avec nous sur place à l'église au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Port-Paris, 91100 Corbeil-Essonne. Venez prier avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis donc à tout à l'heure, 18h, pour la confession de la parole. Excellent après-midi et à très bientôt. Ciao, ciao. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à Savienne. Voilà, dites joyeux anniversaire Savienne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Savienne. Voilà. C'est écrit Christ Josué, son nom de YouTube, Christ Josué. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde encore la grâce. Je prie que le Seigneur puisse t'accorder des jours heureux, que l'Éternel t'accorde encore des moments les plus glorieux de ta vie. Que à partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse rentrer dans un bonheur au nom puissant de Jésus. Et que l'Éternel ouvre les chemins devant toi, qu'il t'accorde sa faveur et sa grâce dans le nom de Jésus. Joyeux anniversaire à toi, Savienne, Christ Josué, Christ Josué, Christ Josué. Joyeux anniversaire à toi. Aidez-moi à lui souhaiter joyeux anniversaire. Souhaitant joyeux anniversaire à la sœur Savienne et son nom de YouTube, c'est Christ Josué. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis. Chante alléluia, alléluia. Eh, eh.
tout ce qui est en moi crie Alléluia. Oh oh, quand dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Il est fidèle. Pleures-tu, ma sœur? Il est fidèle. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Il a vaincu pour toi à Golgotha. Il est fidèle. Quelle est cette maladie qui te fait pleurer? Il est fidèle. Quelle est cette angoisse qui te fait t'abandonnera jamais, car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Il est fidèle. Mon âme chante Alléluia. Alléluia. Mon esprit chante Alléluia. Alléluia. Mon caractère même chante. Du péché, moi j'étais. Tu es venu me récupérer. Tu es venu me restaurer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.